Malgré le boycott du discours du chef de l'État, on retiendra également de l'Assemblée nationale l'adoption de la loi de finances gestion 2011. Le budget général de l'État exercice 2011 s'élève à 1 099 375 000 de francs CFA. Voici le compte rendu de la séance plénière qui a consacré le vote du budget. Les députés ont travaillé d'arrache-pied ce jeudi au palais des gouverneurs à Porto Novo sur le projet de budget général de l'État exercice 2011. Après le débat général sur les différentes rubriques du dit budget, le président de l'Assemblée nationale a fait observer une pause pour accueillir le chef de l'État au sein de l'hémicycle pour son discours sur l'état de la nation. À la reprise de la séance plénière, les députés présents ont passé au pays fin l'étude du projet de loi de finances gestion 2011. Les résultats du vote de l'ensemble des tests se présentent ensuite pour la loi 43 voix contre 0, abstention 41. Par conséquent, la loi numéro 2010-46 portant loi de finances pour la gestion 2011 est adoptée. 33 voix pour, 0 contre et 41 abstentions. C'est le résultat du vote qui consacre l'adoption de la loi de finances gestion 2011 d'un montant global de 1 099 375 000 de francs CFA. Les députés, à travers ce vote, viennent de donner le feu vert au gouvernement de Boni Yayi pour exécuter son budget.